sans rentrer dans les détails, il suffoque, il est tout blanc. Voilà, il y a d'autres choses qui s'ajoutent, alors on le soigne, on perfuse, on augmente les sédations pour être sûr qu'il ne souffre pas, et on sait qu'avec la sédation qui augmente, c'est ce qui va le faire partir plus ou moins, mais voilà, les images restent quand même assez insoutenables, je crois, pour les proches. En tout cas, c'est ce que j'ai eu comme retour. Moi, je ne l'ai pas encore vu, je vais y aller là, mais voilà. Mais c'est quand même une bonne chose que ce soit irréversible et que ça se termine enfin. Oui, clairement, c'est un soulagement qu'il puisse partir, oui. Oui. C'est pour ça qu'on se bat depuis 6 ans, donc évidemment que c'est une bonne chose. Ça aurait jamais dû prendre 6 ans, ça, c'est une évidence. Du coup, ça me soulage un petit peu, oui. Ça va être... enfin, voilà, le voir, ça va être... j'espère dans de bonnes conditions, j'espère... on a beau se dire qu'il souffre pas, c'est toujours problématique de voir un corps qui est en souffrance, qui dépérit petit à petit, qui devient plus en plus maigre, quoi, parce que vous avez le temps de perdre du poids quand même sur une semaine, 2 semaines, voilà, qui est plus hydraté. C'est des images quand même assez violentes, mais voilà, le principal, c'est qu'on se dit qu'il ne souffre pas et qu'il va partir. Voilà. Il y a une forme d'apaisement quand même. Enfin, après, je ne peux pas vous dire que les mots seraient exactement les mêmes, parce que la dernière fois, j'étais vraiment convaincu que c'était terminé et je pensais qu'il n'y avait rien qui pouvait empêcher les choses. Là, c'est vrai que j'ai toujours ça dans la tête, même si j'arrive pas encore vraiment à me dire que c'est terminé. J'espère que ce sera terminé vraiment. Je pense quand même qu'ils sont sincères quand ils disent qu'ils ne vont plus faire de recours. C'est ça qui est le plus important, et je pense qu'ils sont sincères quand ils disent que l'état de Vincent est irréversible, enfin que la mort de Vincent est irréversible et que ça va s'arrêter. Ça, c'est le plus important pour moi, et je pense que là-dessus, ils sont sincères. Bah, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des médecins pour qui ça dure entre 6 et 12 heures, il y a des médecins pour qui ça dure entre 2 et 3 jours et c'est beaucoup trop au-delà, et puis il y a des médecins qui considèrent que pour être sûr que c'est pas une euthanasie, eh bien, il faut que ça dure 1 ou 2 semaines. Donc lui, il est plutôt dans cette optique d'une ou deux semaines. Notamment pour se blinder face à la plainte pour meurtre qui de toute façon n'aurait aucune chance d'aboutir, quand bien même ça durerait une journée. Hein. Voilà, il est dans cette optique-là, donc il va tout faire pour que ça dure le plus longtemps possible, ce qui est très problématique, mais enfin, encore une fois, au final, s'il meurt, c'est quand même le principal.